Mes chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Il n'est pas nécessaire d'être historien pour remarquer qu'un mois ne passe plus dans le monde sans que plusieurs livres soient publiés sur l'histoire de l'Afrique. La valorisation du passé de notre continent est un signe des temps. Le motif subjectif est évident pour nous Africains, il s'agit de la recherche d'une identité. Ce tenant subjectif trouve lui-même son fondement objectif depuis la cession à l'indépendance de nos pays africains. Durant la colonisation, notre histoire n'était qu'un vulgaire appendice, un lambeau d'histoire du pays colonisateur. Le Sénégal, au 19e siècle, c'était essentiellement l'œuvre de Federbo. Ayant brisé la parenthèse coloniale, nos pays ressemblent un peu à l'esclave libéré qui se met à la recherche de ses parents et l'origine de ses ascendants. Il veut aussi en informer ses enfants, d'où la volonté d'intégrer l'histoire africaine dans les programmes scolaires. On ne connaît bien un peuple, comme un individu, que si cette connaissance a une certaine profondeur historique. Un autre élément de cette revalorisation, ce sont les découvertes récentes d'histoire et d'archéologie dévoilant des civilisations entières, Ifé, Nok, Rift, Valé, etc. et le rôle moteur joué à plusieurs reprises par l'Afrique dans l'histoire universelle. Mes chers amis, l'heure est venue d'écarter rapidement le barrage des mythes dressés contre notre histoire. Nous en parlons dans un instant. La position la plus radicale à cet égard est celle qui consiste à dire que l'histoire de l'Afrique noire n'existe pas. Dans son cours sur la philosophie de l'histoire en 1830, Hegel déclarait: l'Afrique n'est pas une partie historique du monde. Elle n'a pas de mouvement, de développement à montrer, de mouvement historique en elle. C'est-à-dire que sa patrie septentrionale appartient au monde européen ou asiatique. Ce que nous entendons précisément par l'Afrique est l'esprit en historique, l'esprit non développé, encore enveloppé dans des conditions naturelles et qui doit être présenté ici seulement comme au seuil de l'histoire du monde. Coupland, dans son manuel sur l'histoire de l'Afrique orientale, écrivait en 1928. Il est vrai, jusqu'à D. Livingstone, on peut dire que l'Afrique proprement dite n'avait pas eu d'histoire. La majorité de ses habitants étaient restés durant des temps immémoriaux plongés dans la barbarie. Tel avait été, semble-t-il, le décret de la nature. Ils demeuraient stagnants, sans avancer ni reculer. Une autre citation caractéristique: les races africaines proprement dites, celles de l'Égypte et d'une partie de l'Afrique mineure mise à part, n'ont guère participé à l'histoire, telle que l'entendent les historiens. Je ne me refuse pas à accepter que nous avons dans les veines quelques gouttes d'un sang africain, d'Africains à peau vraisemblablement jaune. Mais nous devons avouer que ce qu'il peut en subsister est bien difficile à retrouver. Donc, deux races humaines habitant l'Afrique ont seules joué un rôle efficient dans l'histoire universelle. En premier lieu, d'une façon considérable, les Égyptiens, puis les peuples du nord de l'Afrique. En 1957, Pierre Gazotte, qui écrit « Sans broncher » dans la Revue de Paris, « Ces peuples, vous voyez de qui il s'agit, n'ont rien donné à l'humanité. Il faut bien que quelque chose en eux les ait empêchés. Ils n'ont rien produit, ni Euclide, ni Aristote, ni Galilée, ni Lavoisier, ni Pasteur. Leur épopée n'ont été chantées par aucun Homère. » Certes, Bala Fasake, le griot malinqué de Sundiata, ne s'appelait pas Homère, mais que des hommes cultivés. C'est une aberration que des historiens par surcroît aient pu écrire sans broncher des inepties de ce calibre, qui pourraient faire douter de la valeur de l'histoire comme discipline formatrice de l'esprit. Un grand historien européen comme Charles-André Julien va jusqu'à intituler un paragraphe de son ouvrage sur l'histoire de l'Afrique, « L'Afrique, pays sans histoire », dans lequel il écrit « L'Afrique noire, la véritable Afrique, se dérobe à l'histoire ». On pourrait citer bien d'autres historiens. En fait, les auteurs imbus de préjugés racistes côtoient ici ceux qui se font une idée étriquée des preuves nécessaires pour faire l'histoire. Ils voisinent d'ailleurs assez curieusement avec certains historiens marxistes, comme par exemple un grand historien et homme d'État hongrois, André Sik, qui par ailleurs pose certains principes de méthode écrits. La grande majorité des peuples africains, n'ayant pas de classe, ne constituaient pas d'État dans le sens propre du mot. Plus exactement, l'État et les classes sociales n'existaient qu'à l'état embryonnaire. C'est pourquoi on ne peut, en ce qui concerne ces peuples, parler de leur histoire dans le sens scientifique de ce thème, avant l'apparition des usurpateurs européens. Il constate cependant que l'histoire de l'Afrique noire a une importance particulière car elle confirme brillamment et souvent illustre d'une manière éclatante plusieurs thèses de Marx, de Lénine, de Staline dans le domaine des sciences historiques. Bref, l'histoire de l'Afrique devient comme cette auberge espagnole où chacun trouve ce qu'il y apporte. C'est d'ailleurs peut-être pour cela qu'on trouve tant de clients
si hétéroclite. Ceux qui n'articulent pas des thèses aussi radicales à l'encontre de notre histoire développent des mythes, d'autant plus venimeux qu'ils sont plus nuancés. Le principal de ces mythes, c'est la passivité historique des peuples africains, et noirs en particulier. Cette idée se retrouve sous une forme ou une autre dans presque tous les ouvrages des maîtres européens de la science historique africaine. Aucune ou presque aucune dynamique progressive dans ces sociétés ou races défavorisées. Et l'on est souvent assez gentil ou assez malin pour rejeter sur le soleil et les moustiques la responsabilité de cette arriération. Ce sont les amites caucasoïdes qui, en s'infiltrant vers le sud de l'Afrique, les ont apporté le flambeau de la domestication de la nature par les techniques. Les mines d'or, les procédés du moulage à la cire perdue, le style naturaliste d'Ifé, l'idée de l'organisation étatique, etc. Tout cela vient de blancs, éventuellement de rouges ou de bruns, mais qui ne sont que des blancs mal identifiés. D'autre part, de l'absence de révolution fondamentale dans les sociétés noires pour se tirer des conclusions racistes, alors qu'un minimum de connaissance de l'évolution des sociétés humaines et en particulier des précognitions techno-économiques de toute révolution les aurait protégées de telles aberrations. Par ailleurs, l'argument à silencieux qui fait dire que l'Afrique a été immobile depuis des millénaires n'est pas qu'un sophisme qui marque notre ignorance actuelle des changements intervenus dans l'histoire africaine. Pourtant, le peu que nous en savons nous indique éloquemment que des changements africains autonomes ont eu lieu, de véritables tournants accomplis, soit sous l'influence de mutations dans les techniques agraires ou métallurgiques, soit par le pouvoir créateur de personnalités d'exception comme Mamari Koulibaly, Anokei Osei Tuntu, Ousmane Damfadio, Chaka, Harris et même encore Samori Touré, pour ne citer que ceux-là. Quant à la contribution des Noirs au mouvement de l'histoire universelle, qu'il nous suffise de citer les inventions techniques africaines du Paléolithique, la place de l'or et des négociations du Soudan dans le commerce euro-asiatique du Moyen-Âge, la participation du capital travail noir à l'essor de la révolution industrielle et le rôle planétaire joué par les Afro-Américains dans la formation du sens artistique depuis plus d'un demi-siècle. Nous ne nions d'ailleurs pas les influences reçues par l'Afrique quand elles sont scientifiquement prouvées, par exemple dans le cas de l'introduction du chameau, du manioc et du tabac américain, etc. Mais nous disons que nous avons assez des histoires racistes sous quelque forme que ce soit. Nous n'admettons pas être considérés comme des instruments perpétuellement passifs, ni qu'on extrapole à partir du capitalisme triomphant du 19e siècle européen pour faire de toute l'histoire africaine un reflet scabreux de l'univers, un cul-de-sac où viennent s'éteindre les influences civilisatrices de tous les continents. La plupart de ces éléments résultent évidemment des préjugés de leur auteur. Ils résultent aussi de la conjoncture néocolonisatrice où plongent encore les États dans lesquels travaillent trop de chercheurs. Mais surtout, ces aberrations trahissent les obscurités et difficultés de la recherche historique en Afrique. Mes chers amis, j'espère vous lire très prochainement. Je vous remercie. Jaso, 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 Jaso